Hey, salut tout le monde, vous allez bien? Alors aujourd'hui, on se retrouve pour... Stop, stop, stop! Mais quoi? Non mais sérieux, tu nous fais toujours la même intro? Mais non, c'est faux! Et puis après, tu vas encore nous parler des sujets les plus banals. On s'en fout! Ah oui, tu veux un sujet qui change. Et tu nous proposes quoi qu'on rigole? Je vais parler de foot porn. De quoi? Mais qu'est-ce que tu comprends pas? Du foot porn? De quoi? Avec food, tu sais que ça veut dire nourriture en anglais. Bah alors, devine. Trop smoothy. Hey, doucement. En fait, le terme est plutôt trompeur. Mais food porn, ça veut juste dire afficher la nourriture en ligne. En gros, par exemple, faire un gâteau, c'est super. Vous prenez une photo de ce gâteau, vous le mettez sur Facebook... Et bah ça y est, vous faites du food porn. D'ailleurs, un truc plutôt trompeur quand on voit la photo juste d'un gâteau. Cuisiner, c'est cool, mais il ne faut pas oublier un détail. Et hop, gâteau fini. Je crois pas, non. Bah quoi? Après, la grande récompense, c'est de le manger, le gâteau. Mais encore faut-il pouvoir le manger. Première étape que personne ne veut faire. Couper les parts de gâteau de manière égale. Peu importe comment tu coupes, dans tous les cas tu te fais critiquer. Il y en a qui te vont dire que les parts sont trop petites, trop grosses. On se calme, j'ai même pas touché le gâteau. Oh bah on anticipe, c'est tout. De toute façon on va lui dire dans 2 secondes. Les gens ne sont jamais contents. Arrêtez. Donc... Je vous disais, il faut pouvoir réussir à manger ce que tu fais. Alors, certes, les gâteaux, c'est une chose. Mais le pire, c'est quand tu fais genre des sablés, du muffin... Bref, tous les petits gâteaux qui peuvent se manger rapidement. Là, je vous interdis de me demander pourquoi il est parfois difficile de manger les gâteaux qu'on fait soi-même. Pourquoi? Putain, je vais le tarter. Vous ne connaissez pas ce que j'appelle le facteur famille? Qui c'est qui a fait ça? Luc! Quoi? Non, c'est pas moi! C'est papa! Ah non, c'est maman! C'est le chat! Bon, après, dans certains cas, le facteur famille, il s'applique, mais plus du tout! Eh bah oui! Moi, j'adore faire des tests! Mais vraiment, tous les tests les plus bizarres qu'on peut faire, moi j'adore! C'est trop bien! C'est fun! T'as un résultat qui est parfois improbable! Mais d'ailleurs, je crois qu'on commence à me connaître. Hey tout le monde, j'espère que vous avez faim. J'ai fait un dessert. Et c'est une nouvelle recette que j'ai inventée. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Et du coup maintenant, on me demande de suivre les recettes mot pour mot. Mais vous vous en rendez compte? Mais suivre une recette, c'est un vrai défi! Non mais je rigole pas! Et c'est pas de ma faute, hein! C'est pas de ma faute! Ajoute-moi! 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 Ah, tes ordres! Bon, d'accord, il y a quelques fois où je m'emballe un petit peu. Ah oui, ça, un fondant au chocolat. Mais maintenant, j'essaie de suivre les recettes. C'est plus dur qu'on le croit, je vous jure! Obéis! Mais en général, j'essaie toujours de trouver un truc qui rend la préparation un peu plus fun, quoi. Genre, changer la disposition, faire une préparation dans l'assiette. Ou par exemple, rajouter une fève dans le gâteau. Ce qui n'est pas toujours une bonne idée. Mais après, il y a plusieurs autres trucs stressants dans la cuisine. Parfois, tu passes un temps fou à faire un gâteau, et en 2 secondes, il reste plus rien. Mais le pire, c'est ceux qui en laissent dans leur assiette. Ah non, mais moi, sérieux, ça me rend dingue! Il en reste! Bon, c'est pas tout, mais à force de parler de bouffe, j'ai faim, moi! Hé, hey, mais vous entendez pas? C'est l'appel du fondant au chocolat! Ah oui, et une dernière chose, partagez les vidéos, likez, commentez, comme d'hab, quoi! Allez, à plus! Hé, hey, si vous êtes sage, je vous offre une part. C'est pas rien. Mange-moi! 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 Ciao!